Allez, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, désolé. Tout simplement parce que c'est une vidéo. Vous avez certainement dû le voir dans le titre. Ça y est, ça fait 1 an que la chaîne ActuCraft, la chaîne ActuCraft a été créée le 16 mars, mais la première vidéo, enfin les deux premières vidéos, ont été sorties le 26 mars. Donc c'est demain, hein, tout dépend quand j'uploade cette vidéo, mais je pense que ça sera, je l'uploaderai le 25 au soir. Et ça fait désormais 1 an que je suis sur YouTube en votre compagnie. Je veux vous dire que ça fait plutôt bizarre d'y repenser, de repenser les premières fois quand j'allais sur YouTube. Pour voir le nombre de vues qui augmentait petit à petit et voilà je suis super heureux de d'avoir fait ça au moins pendant 1 an avec des abonnés qui augmentaient sans cesse je suis déjà enfin déjà je suis à presque 200 000 vues au total sur mes vidéos. Alors certains diront que c'est peu, bon certes en effet j'ai pris une pause de 3 mois de décembre à février parce qu'il fallait vraiment que je prenne du repos mais de décembre à mars pardon mais bon là je vais revenir et tout ça va être l'occasion aussi cette vidéo de remercier quelques personnes entre autres parmi tous ceux qui me soutiennent quelques personnes qui m'ont vraiment fait avancer dans cette aventure un peu folle, j'avoue, parce que voilà, c'est devenu le quotidien, hein, Minecraft et tout. Jamais autant joué à un jeu de ma vie, très certainement. Le son du jeu est fort. Donc je vais commencer d'abord par le tout premier qui m'a soutenu, et qui malheureusement n'est plus sur YouTube à l'heure où je parle, c'est Maël de YouCube. Maël de YouCube qui m'a véritablement aidé à me lancer dans Minecraft. Non, dans ActuCraft, pardon, au niveau sur YouTube, etc. Il m'a donné des conseils et tout. Et c'est de là que c'est parti. Je lui dois un peu de tout parce que je dois vous avouer que je suis assez timide en général. S'il n'avait pas été là, ça aurait été très très dur pour moi, je pense. Donc je remercie vraiment Maël de YouCube, peu importe où t'es en France ou dans le monde, si un jour tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Autre personne que je voudrais remercier, c'est la team A2PO. Team A2PO qui, on s'est rencontré à l'occasion d'un Peep My Skin, celui auquel j'ai participé le tout premier. Désolé, j'ai reçu un SMS. J'avoue qu'il m'avait fait un peu peur au début. Grum m'avait abordé comme ça, j'avais un peu peur qu'ils me disent ouais, il n'y a pas de place pour deux pour l'actualité de Minecraft et tout. Et puis finalement, j'ai découvert des personnes super sympas. Vraiment, un vrai régal de les côtoyer. Un peu moins ces derniers temps, mais pendant un long moment, je les ai côtoyés quotidiennement. Au point de faire partir de leur équipe rédactionnelle de rédacteurs. On va dire leur équipe de rédacteurs sur le site internet de po.com podcast de po.com et aussi intégrer aussi leur rubrique vidéo. Enfin, ils m'ont fait vraiment confiance et je leur dois pas mal de trucs. Ils m'ont bien aidé dans certains au niveau de la critique, etc. Montrer un peu tout ce qui allait pas dans mes vidéos, m'aider à m'améliorer, participer parfois un peu dans mes vidéos. Enfin, bref, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que ils m'ont fait beaucoup avancer et je leur dois un peu beaucoup aussi. Autre personne que je voudrais remercier, c'est Monsieur Biscuit, Monsieur Bocorel. J'ai découvert vraiment une personne avec Biscuit exceptionnel, je trouve. Un ami, hein, vu qu'on s'est rencontré en vrai et tout, c'est vraiment devenu un ami pour moi, une personne super sympa, avec une palette de talents impressionnant. Ça va de la programmation à tout plein de choses. Il est vraiment énorme ce type. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi et son travail. C'est vraiment énorme ce qu'il fait. Il m'a fait beaucoup avancer aussi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime parler,
Je passe de très agréables moments, etc. Franchement, je te remercie beaucoup, Biscuit, parce que je pense pas que ce serait pareil l'aventure sur YouTube si je t'avais pas rencontré. Grâce à lui, par exemple, il héberge le serveur sur lequel je suis en ce moment. Bon, là, je visite pas une ville intéressante, donc on va aller au spawn. C'est une ville en construction. Voilà, il fait beaucoup de choses pour moi. Et voilà, et je me régale toujours au quotidien avec lui, pareil qu'avec Serra et Grum, etc. Autre personne que je voudrais remercier, c'est mes proches. Mes proches qui me soutiennent au quotidien. Surtout mon père, par exemple, qui m'a fait des musiques pour ActuCraft, on est en train d'en faire en ce moment. Des nouvelles musiques, puis on se va sortir un peu du 8-bit. Donc je remercie vraiment toute ma famille qui m'entoure, qui me soutient dans mon projet, parce que voilà, il y en a qui le font pas, eux ils le font et je m'en plains pas parce que ça fait avancer aussi. Alors certes, ils ont un regard un peu extérieur à ce que je fais, parce que voilà, c'est un peu geek, hein. On comprend pas tous les mots, mais en tout cas, voilà, ça. Ça fait plaisir de voir qu'on est bien soutenu, etc. Aussi bien sur YouTube que dans sa vie personnelle. Donc voilà. Aussi, autre personne que je voudrais remercier, c'est l'ensemble de la Creeper Corp, mes potes de la Creeper Corp que j'ai rencontrés progressivement. Ça passe ils se reconnaîtront, enfin DJ Big, Tom Style, Sylve Struss. Titi One, Vanyar, je peux y inclure aussi petit à petit Nubizator qui vient de se connecter d'ailleurs, Tigre, etc. C'est vraiment des personnes super que j'ai découvert progressivement et voilà, je me lasse pas de leur parler, etc. C'est devenu aussi des amis, je les ai pas encore rencontrés en vrai malheureusement, mais c'est devenu vraiment des amis. Voilà. C'est vraiment des personnes qui aident à faire avancer aussi, hein. Ils aiment bien me troller, à dire que je sais construire que des phares, hein. J'en suis fier de mes phares. Voilà, d'ailleurs, il y en a un qui a cramé la dernière fois. Donc voilà. D'autres personnes, vous, toi, abonné qui. Même pas abonné, hein, si tu regardes cette vidéo, c'est que. C'est que t'as eu l'heureux privilège de pouvoir avoir de la qualité sur ton écran. Non, je rigole. C'est vraiment super ce qui m'arrive. Vous me suivez depuis maintenant un an. J'ai 2000 abonnés et quelques. Certains diront encore que c'est peu. Moi, je m'en plains pas. Franchement, j'aurais pu avoir beaucoup moins. J'aurais pu avoir faire un flop total avec ActuCraft. Résumer l'actualité de Minecraft. Au final, c'est peut-être pas si original que ça. Mais bon, j'ai été le premier à le faire et apparemment ça vous a plu. Je continuerai à le faire, hein, même si ça devient un peu plus dur au niveau horaire en ce moment. Mais voilà, je dois vous dire que je vous remercie beaucoup. Je vais regarder un peu la caméra. Je te remercie beaucoup, toi derrière ton écran. Parce que, je sais pas, c'est complètement énorme, je trouve, ce qui m'arrive. Ça m'a fait faire des super rencontres. Alors, certaines ont duré moins longtemps que d'autres. Certaines ont été moins agréables que d'autres, mais franchement, j'en ressors vraiment content de cette aventure. Et j'ai hâte de passer une deuxième année avec vous sur YouTube. Alors bien sûr, je remercie aussi mes partenaires, j'ai oublié de les citer. Partenaires qui sont Minecraft.fr, Minecraft France, Minecraft-France.com, Mine Radio et Gear Network. Qui me soutiennent hein, malgré tout, qui me diffusent sur leur site, etc. Qui me permettent divers privilèges. Et je les remercie parce que voilà, ils m'aident à avancer aussi et ils me permettent de rencontrer par le biais d'une popularité grandissante au sein de la communauté Minecraft, de rencontrer des personnes exceptionnelles comme celles que je viens de citer, comme vous, abonnés, etc. Donc voilà. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire officialiser un peu mon retour sur YouTube, parce que voilà, un an, mais bon, avec 3 mois, 3-4 mois de vide au milieu, ça fait pas trop un an, mais bon, officieusement, ça fait un an. Donc je reste dans cette même ville pour pas spoiler les autres projets, hein, je précise.
Donc, dans les projets, nous avons quoi? Nous avons donc la reprise d'ActuCraft, comme je vous ai expliqué dans Flash Actu. Flash Actu qui sortira demain d'ailleurs. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire, je viens de sortir d'une nuit blanche, je suis un peu fatigué. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc Flash Actu qui sortira demain, mais donc ActuCraft avec un principe toujours le même que celui que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est-à-dire un Flash Actu une fois sur deux, un ActuCraft une fois sur deux, c'est-à-dire une semaine un ActuCraft, une semaine un Flash Actu, pour pouvoir aérer un peu mon emploi du temps, etc. Parfois il y aura plusieurs Flash Actu d'affilée, etc. sur mon emploi du temps. Mais voilà, toujours sans sacrifier la qualité, ce serait plutôt pas mal. La série Final Fantasy, bah elle va continuer. J'ai pas eu trop l'occasion de la continuer, mais elle va continuer. J'ai vu que ça vous avait bien plu. Allons-y, hein. Moi aussi, ça m'a bien plu de le faire, même si la traduction est catastrophique. On va s'en sortir. Après, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bientôt sur vos écrans, sur le site A2PO, enfin podcast2PO.com, vous verrez la rubrique FPS. Il faut que je tourne le premier épisode, hein. Il faut que je le retourne plutôt. Donc voilà, ça sera sur un FPS, je sais pas lequel, je pense que ça sera BioShock. Aïe. Je pense que ça sera BioShock ou Borderlands, ou enfin je vois. Super démagogue. Donc voilà. Après, je voudrais vous préciser que dans les ActuCraft désormais, vous aurez à disposition Master Max de la MCFR Architect qui est coincé. J'avais même pas vu qu'il s'était connecté. Oui, parce qu'on a un problème de TP apparemment. Oui, je vous disais, dans les prochains ActuCraft, ça va commencer à partir du prochain Flash Actu ou ActuCraft. En gros, je vais vous poser une question, par exemple, dans le dernier Flash Actu. Que s'est-il passé? Qu'ai-je dit au niveau de la 1.1.2.4, hein. Qu'est-ce que j'ai dit au niveau de ça, au niveau de ça. Et si l'un d'entre vous répond bien, alors faudra répondre dans les commentaires, bah, je ferai un petit tirage au sort et vous gagnerez une semaine en tant que villageois sans passer par une inscription sur le site liveadblocks.com ou .fr, je sais plus. Sans passer par le site liveadblocks, vous gagnerez une semaine de rang villageois sur le serveur, et si on se rend compte que vous êtes agréable, etc., ben on vous gardera sur le serveur. Et si on trouve que vous êtes pas trop agréable, qui nécessite d'avoir un approfondissement, vous passerez par une candidature sur le site, si vous avez envie de vous inscrire. C'est aussi simple que ça. Donc ça sera une sélection, je donnerai le résultat la semaine suivante, etc., etc. Ça peut toucher sur tout l'ensemble de mes vidéos, hein, pas seulement sur ActuCraft, c'est-à-dire que ça peut tomber sur l'incroyable Monsieur Jones qui va bientôt reprendre, avec la nouvelle Live Blocks Update qui va bientôt sortir. Ça peut tomber avec Final Fantasy. Donc voilà. Quoi d'autre? Vous verrez aussi très bientôt un nouveau programme fait par la Random Péon, une équipe annexe de mon serveur, composée de Noobizator, Tigre56, Brakmar, etc. J'ai peur d'en oublier, donc je vais pas tous les citer. Et qui va vous présenter ce magnifique serveur, hein, qui est celui d'AddictBlock, hein, le serveur de la Creeper Corp, hébergé par Biscuit de LivelBlocks. Je vous l'ai déjà dit. Donc il fera visiter les villes petit à petit. Je ferai des visites plus approfondies peut-être plus tard si j'ai un peu de temps, etc. Mais pour le moment c'est eux qui s'occuperont, donc je vous demanderai un maximum d'indulgence. C'est dans leur première vidéo. Donc voilà, ça sera uploadé sur ma chaîne et sur leur chaîne. Donc je mettrai un lien à chaque fois, etc. Je mettrai aussi un lien pour s'inscrire. Dis donc, il y a toute la MCFR Architecte qui se connecte. MCFR Architecte que je remercie pour la magnifique cathédrale qu'ils nous ont construite. Allez, je vais y aller. Ils vont pas être contents chez la random, mais bon.
Je sais plus ce que je disais exactement, ça devait pas être important. Et tout le monde est surpris là dans le chat. Donc voilà. Sinon, je tenais à vous dire que bah, il y en avait beaucoup qui étaient assez contents, moi aussi, hein, le premier, des lives, les longs lives que je faisais sur, sur BioShock, sur Borderlands et tout. Bah, tous ces lives vont revenir pendant une semaine, une petite semaine, au mois d'avril. Ça va revenir au mois d'avril sur de nouveaux jeux, vu que je pense que je vais bientôt acquérir mon édition Windows 7 sur Mac. Je vais bientôt acquérir aussi mon HDP VR. Ça me fait très plaisir, comme ça je vais pouvoir vous faire peut-être toute une aventure suivie autour d'un jeu que j'aime beaucoup, qui est Red Dead Redemption. Désolé, je baille un peu, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Je sais que les lives vous avez beaucoup plu, vous étiez une cinquantaine à me suivre au bout d'un moment. Moi, ça me plaisait énormément de streamer comme ça. Tout au long d'une semaine, on avait vu une évolution fulgurante et ça me permettait d'être encore plus proche de vous. Parce que j'aime être beaucoup. Enfin, j'aime être beaucoup. Ouais, ça se dit beaucoup. Ça se dit beaucoup. Ouais, allez, Actu, c'est bien. Va falloir aller se coucher. J'aime beaucoup être au contact de mes abonnés. Deux secondes. Oui! Ouais, j'arrive! je vais manger. Et donc les lives me permettaient d'être au contact de mes abonnés, etc. D'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à la nouvelle édition de YouTube, c'est qu'on peut plus parler sur la chaîne et tout. J'aimais bien interagir avec vous. Mais bon. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'en ai oublié, bah tant pis, vous verrez ça très bientôt, ça sera du bonus. En tout cas, je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Vous êtes plus de 2000 à me suivre, bientôt 200 000 vues. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont aidé à progresser. Ça n'a pas été facile tout le temps. Cette vidéo a failli ne pas être tournée. J'ai copié de plusieurs mois de vaisselle, de lavage, de lavabo, etc. pour pouvoir la tenir. Donc voilà, je vous remercie encore vraiment beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous. Et on se dit bah, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et que les cubes soient avec vous. Allez, ciao, salut à tous. C'est pas là, c'est là.